Ici, par définition, dans cet endroit, tout est possible. C'est un lieu intermédiaire, c'est un lieu donc qui n'est pas un lieu institutionnel, qui n'est pas financé autrement que par le loyer modéré que la mairie veut bien nous accorder. Ça ne fonctionne pas du tout comme un théâtre, c'est pas une salle de spectacle, c'est pas une maison de la culture, c'est ce qu'on appelle un laboratoire, un lieu intermédiaire. Donc le vin du mois, c'est une action qui a lieu chaque vin de chaque mois. Par un jeu de mots un peu idiot, on a décidé d'offrir un peu de vin aux gens qui viendraient nous voir le vin du mois. Et c'est l'occasion de montrer à ces gens ce qui se passe dans le bâtiment, d'ouvrir les portes, de voir la production, la création des artistes qui travaillent à l'intérieur. Les artistes sont accueillis ici sur la base de la gratuité, ça c'est fondamental. C'est nous, bénévoles, qui les accueillons, on met à leur disposition ce matériel qu'on a en grande partie récupéré. Ce qu'on apporte, c'est la possibilité de tenter des expériences sans exigence de succès. Si vous louez un théâtre ou si vous êtes recruté par un théâtre, vous devez avoir un résultat à la fin. Ici, les gens viennent travailler pour essayer, tenter des expériences et peut-être que ça rate, on s'en fout en fait. Voilà. Et dans Paris intramuros, de tels endroits où on peut prendre des risques, faire des choses un peu folles, ben, ça court pas les rues. Il y a eu cette rencontre avec la Générale. Donc c'est un lieu que j'ai connu en étant dans le 11e. J'ai passé plusieurs fois devant. J'ai vu qu'il y avait les 20 du mois. Donc je me suis une fois ou deux arrêté. J'ai bu un verre, discuté. À un moment, je leur ai proposé ce projet en tant qu'un concept. Donc il y a cette collecte des sacs qui a duré à peu près un mois. On a mis un grand bidon devant la Générale. Les gens pouvaient déposer leurs sacs. Tout le volume est créé par rien, par du vide, par l'air qui vient à nous manquer sur notre planète et qui peut-être un jour va nous arriver dans des petits sacs en plastique, qui sait. Je pense qu'on apporte vraiment quelque chose de nouveau, en tout cas de différent par rapport à ce qui se fait dans beaucoup d'autres endroits.